center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. Uh-oh. Ouais les gars, j'arrête la FK. On est toujours dans la même session que tout à l'heure avec Nezik. Les boulets de tout à l'heure, ils sont encore dans la session, je suis encore là. Il y a peut-être moyen de se venger avant de... Non, je sais pas. Oh, je sais pas, se venger de quoi? À quoi bon? À quoi bon? Non, je vais changer de session. En plus, j'ai l'impression que la session... J'ai l'impression qu'elle commence à mourir, tu vois. Il est chez lui. Ouais, Nezik, le mec, ça fait 2 heures, tu t'amuses avec ta Deluxo, frérot. T'as pas envie de changer de gameplay un peu? Genre juste changer. Ouais non, la session elle est pas ouf. Pourtant il y a du monde hein, mais elle est pas ouf. Nous on va respawn dans la boîte de nuit parce que j'ai fait un peu d'AFK. Donc on devrait avoir quelque chose à récupérer. Voilà, 95 000. C'est bien ce que je me disais. Oh, je suis content, on est en train de s'approcher des 3 millions. Ouais, j'ai jamais eu 3 millions sur ce compte, je crois. Et non, j'ai réfléchi les gars par rapport à ce que je disais dans le dernier épisode. Je vais pas acheter ni de casque, ni de MK2. Tout ça. Je vais pas m'abaisser à ce niveau de jeu. Et ouais, je vais pas m'abaisser, moi. C'est ça qui est bien, justement, de... Je pense que sur ma chaîne YouTube, on trouve du contenu GTA et avec du gameplay, du style de gameplay que tu vois pas souvent. Ben, s'il y a pas de place en sécuro, bon, bah... De toute façon, on va sortir un Gugus. Parce que moi, j'ai le gameplay de l'ancien GTA Online, mais je joue avec ceux qui jouent le nouveau gameplay. Et c'est ça que je trouve qui est bien dans Tsum Tsum. Alors... Activer mode passif. Sinon les gars, avec mon argent, je pimpe un peu ma boîte de nuit pour faire en sorte que je puisse stocker plus de marchandises. Un nouveau garage, pourquoi pas. Dégage. Eh ben, je sais pas ce qu'on peut faire. J'ai envie de rester dans cette session. Ah si, je sais ce que je peux faire. Prime de 1000$, nice. Sur ma tête. Je suis niveau 73. Objectif, passer au niveau 74. Je suis teubé, hein. Je peux passer à l'atelier auto. Voir si j'ai pas un petit véhicule à réviser, ça fera un petit 60 000 en plus. Ce sera aux 2 400 000. Ah non, on va finir ces foutues missions de Dax, parce que j'en peux plus d'avoir ça à faire. On va les bâcler. Aller à Stab City. Oh non, c'est dans le nord. Oh non, frérot. J'en ai marre des allers-retours dans le nord. Ah, ça va, c'est un camion de cuivre à ramener. Bon, bah, je le fais alors. Et c'est la night. Ah, il est 4h44 du matin. Boon Boon Burger. Hors de ma vue. Je suis désolé. Hors de ma vue, j'ai dit. Et c'est là que je commence à l'enchaîner et je fais un titre de vidéo. Il va payer pour avoir abîmé mon phare droit. Bon, finalement, ça va vite. Je dis, ouais, c'est chiant d'aller dans le nord, mais à chaque fois, ça va vite. Alors là, je sais que cette mission, elle est chaude. Ouais, t'as vu la dispersion des balles qu'elle a quand même, comment c'est éclaté. Regarde ça, attends. Regardez bien, je fais un zoom. Regardez. T'as vu, frérot, on se croirait sur CSGO, quoi. Il y a un spray, on dirait. Ah ouais, elle est pas précise, elle est éclatée, cette mitraillette. Oh là là là. Oh là là, lui, il avait décidé de me laser, lui. Lui, c'était sûr, il a commencé à tirer, le jeu était programmé pour qu'il me vide son chargeur en pleine gueule, quoi. Vous avez trouvé le chef rival, là, ouais? Mais il est où, le chef rival? Ah, il est dans la caravane. Ah, le malin. On va faire une décale. Je crois que c'est la mission la plus simple, celle-là. Ah, ça va, c'est à côté. C'est qui, ces motos, là? C'est quoi? Mais what? Oh, j'ai pas de chance, il y a des joueurs, on va se mettre invisible. Pas le choix, il faut ramener ça où, frérot? Ah, ça va, c'est pas... Je pensais qu'il fallait le ramener en ville, obligatoirement. Oh, Boon Boon Burger. C'est la personne à qui, que j'ai roulé dessus. Me dis pas qu'elle a traversé toute la map pour se venger parce que je l'ai écrasé. What, il me cherche. Frérot, je serais déjà bien loin. Il a traversé toute la map, le mec, pour...
pour venir se venger parce que je l'ai écrasé alors qu'il était limite AFK quoi. Dommage que l'invisibilité radar ça dure pas un peu plus longtemps, genre 1 minute 30. Parce que là j'ai envie de claquer un orga fantôme pour pas qu'il vienne se venger tout de suite. Faut que je surveille la map quoi. Nick Life. Putain ce pseudo quoi, Nick Life. Mon dieu. En tout cas frérot, si t'aimes pas conduire, ne joue pas à GTA Online hein. Parce que c'est grand simulateur de conduite hein, je te jure. What, il va me fumer? Oh ça va, il s'est mangé un truc. Oh, j'y crois pas, je vais être obligé de suivre le chemin. Si l'autre y revient, genre, j'utilise l'orga fantôme. Hein. Oh, je vais manger tout le chemin, tous les zigzags. Oh vas-y, je coupe. Oh non, non. Allez des... Oh non. Oh oui. Oh la chance que j'ai. J'ai failli dévaler la pente là. Nice. Et plus 50 000, quitter la zone. Bon, on met des petits quads. Regarde, Boon Boon Burger. Juste parce que je l'ai roulé dessus, le mec. Vas-y, viens. Je suis tombé sur un frappa dingo, les gars. Et il me lock. C'est quoi comme véhicule qu'il a? Oh, je l'ai eu. Il a le seum, il a pris sa toréador. Alors, Bouboun. Putain, le joueur, il est tellement susceptible. Moi, si à chaque fois que je me faisais écraser, frérot, je traversais toute la map pour fumer le mec, je passerais mon temps à traverser la map. Headshot. J'adore les joueurs. En fait, je les adore, les joueurs MK2, toréador, Deluxe. Vous savez pourquoi? Parce que c'est souvent des joueurs vraiment éclatés, en fait. La plupart. Hein. T'en as peut-être 10% qui sont super bons. Le reste, c'est vraiment des joueurs éclatax. Vas-y, Bouboun. Tu traverses toute la map pour te fight et là, il n'y a plus personne. Attends, je vais mettre mes sous sur le compte bancaire. Alors, vous trouvez que c'est un motif valable? Tu te fais écraser dans GTA, c'est rien. Hein. Le mec surréagit comme si je lui avais pété son farm, quoi. Attends, mais elle est toujours là, ta toréador. Normalement, si je la pète, je paye pas la mutuelle. Inventaire. Enka, on se remet des encas. Munitions. On va essayer de la péter avant de mourir. Eh non, mince, je gâche un missile. Il s'est mis invisible sûrement pour me fumer. Moi, je m'en fous, ce que je veux, c'est ta toréador. Voilà, j'ai pas payé la mutuelle. Maintenant, je me suicide. Il est dans le coin, les gars. Il est invisible, mais il est dans le coin. Ah, il est là. Il a plus d'invisibilité, ça passe vite une minute. Hein. Bah vas-y frérot, tu fatigues aussi là. Oh là là, t'es nul, mais tellement nul. Ah, il a repris sa toréador, vas-y reviens. Ah, il se barre, j'hallucine. Vas-y, barre-toi frérot, je filme. C'est là, c'est que quand je vais reprendre ma voiture, il va revenir me voir. On va reprendre des munitions tout de suite. Ah, il s'est mis en hauteur pour me... C'est mes hauteurs pour me snipe, on dirait. Il m'espionne depuis la colline. Oh, ce gameplay de génie. Ce mec est un génie. J'ai bien fait de lui rouler dessus, il est trop con. Là, je fais genre, je pars. Évidemment, cet abruti va remonter dans sa toréador. Voilà, et moi, je redescends. Et voilà, je suis pas stupide. Et je suis prêt. Ah. Ah non, monsieur a fait demi-tour. Nice. On va refaire la manip. Voilà, il revient. Je m'arrête. Il s'arrête. C'est un 2, 3 soleil en fait. Je vais te niquer. Tu sais comment je vais te niquer, frérot? Voilà comment je vais te niquer. Hop là. Il cherche. Il cherche. Et moi, je vais me fondre dans le décor. Merde, il arrive. Vite, dans la station essence. Je vais me garer comme ça. Trop intelligent, ma parole. Regarde, et il passe. Il est trop stupide, ce joueur. Ou c'est moi qui suis trop intelligent, je sais pas. Bouboun. Regarde, et là dans 3 secondes il va me voir pop, et moi je pars dans l'autre sens. Regarde, hop, et là il va regarder son radar.
Bah alors Bouboune, regardez. Ah là il s'est dit ah merde, il est parti dans l'autre sens. Bon je vais être obligé de tryhard et de le faire rush kit parce que sinon faut que je quitte la session, je vais pas pouvoir farmer. Il va me rattraper en plus avec sa Toreador. Oh il a du chemin hein. Je vais le traîner les gars sur toute la map. Je vais lui faire perdre son temps. Ah il s'est mis invisible radar. Ok frérot. Moi je dois avoir un cooldown. Là j'active l'orga fantôme, il est niqué. 3 minutes. Je vais me percher en haut de la colline les gars. Faut pas être trop greedy, faut vite descendre. Alors Bouboune, une Toreador qui roule à pleine vitesse. Voyons voir si on le repère. Il est encore là. J'ai pris beaucoup trop d'avance. Regarde, je vais le one shot. Oh, il a eu un accident. Bah alors Bouboune. Bah alors. Il se casse. Il se crash. Bah alors. Et bah il s'en va. Tout ce temps perdu frérot. Moi pendant ce temps là ma boîte elle tourne. J'ai tout mon stuff qui tourne. J'ai le cooldown de Dax qui tourne. Ah. Il va chercher ça dans son centre d'opération mobile. Il est rentré. Qu'est-ce qu'il peut faire de spécial avec ses centres d'opération mobile? Est-ce qu'il se déplace déjà? Ce mec est un abruti. Bouboune. Bounboune. T'es un abruti frérot. T'es en train de perdre 45 minutes juste parce que je t'ai roulé dessus une fois. Tu perds ton temps en fait. Après peut-être que ça l'amuse hein. De se faire humilier. Si j'avais un laser là, je vais chercher le laser, je te refais ta face. Qu'est-ce qu'il va me ramener comme véhicule? Attends les gars, on va rigoler. Dans 14 secondes, j'ai re-l'invisibilité radar. Oh non, je me suis bloqué. Oh non, là je suis stupide. Tu sais quoi, je vais prendre la Kuchu Drag. Je peux pas me créer de club de motards, ça m'arrange pas. Est-ce qu'il bouge? Il revient, nice. Les gars. Vas-y, viens frérot. Viens, je t'attends. Il est vraiment spécial ce joueur. Spécial ou stupide, je sais pas c'est quoi le mot qu'il qualifie le mieux. J'ai toute ma vie frérot, je peux jouer H24 à GTA. Ah, il se décide enfin à bouger. Le truc c'est que si je remonte sur ma moto, frérot, tu me revois plus jamais. Eh ouais, tu l'as dans le cul. Il s'est mis invisible. Oh, on vient de se croiser. Je l'ai croisé avec sa Toreador rouge. Tu me rattraperas pas, frérot. Je vais l'amener en ville, les gars. Oh, je suis tombé sur un spécimen, les gars. Je te jure, c'est une perle rare dans GTA Online, lui. Il va pas comprendre. Il va voir que je suis à l'autre bout, que je suis déjà arrivé en ville. Il va se dire, what, c'est quoi son véhicule? Il est où? Regarde l'abruti. Bouboune. Bouboune Burger. Oh, Bouboune. Regarde Bouboune Burger. Il a retraversé toute la map. Ce joueur est un sketch. Ouais, il se laisse pas faire en tout cas. Lui c'est un petit coriace. Lui il se laisse pas faire. Il est là, il dit wow. Moi tu me tues, je te retue pendant 3 heures. Là il va voir que je suis sorti. Il va faire demi-tour. Ah non, il lâche l'affaire on dirait. Enfin on dirait seulement. Bon moi je vais changer de session. Je pense que je vais quitter cette session. Dax, j'ai un cooldown avec Dax. Encore une demi-heure. Oh, vas-y, on rigole. Moi, je remets mon titre en jeu. J'ai gagné, mais je remets mon titre en jeu. Invisibilité radar. Ah non, il est dans les tunnels. Tu crois que je vais pas venir te chercher dans les tunnels, frérot? Oh, je vais me faire fumer, mais c'est pas grave, c'est pour le fun, les gars. Alors, c'est qui court après qui? Oh non, oh non, le fail, non! Oh non, le fail, c'est moi qui ai tout gâché. Je le dominais en plus. Bon, bah, j'ai plus qu'à rage kit. J'aurais pas dû, tu vois? Il ne faut jamais remettre son titre en jeu. Et là, l'erreur que j'ai faite, c'est j'ai remis mon titre en jeu. Je le dominais tout le long. Et j'ai voulu grid encore. Dommage. Grid, pour ceux qui savent pas, quand t'es greedy, c'est que t'es trop gourmand. C'est que t'en veux trop, tu vois. Et là, ouais, j'ai été trop gourmand. Je me suis fail. Je le saurai pour la prochaine fois. Ah si, c'est bon. Nice, on va pouvoir regarder le stock de la boîte de nuit. On doit voir pour 15-20 000 dollars, je pense. 26 000. Ah, c'est long, la recherche pharmaceutique. Et les gars... Ouais, on a eu une marchandise, ouais, c'est ridiculement faible. Je sais même pas si ça sert à quelque chose d'acheter plus d'étages d'entrepôt. Parce que c'est tellement... Ah bah attends, si. Ah ouais, j'ai l'amélioration du matériel à payer. Ah ouais, mais ça fait cher, 1,4 million. J'attends des promos pour ça.
J'ai pas envie de vendre une autre gamme. J'ai tout fait aujourd'hui, les gars, sur le jeu. J'ai fait. Enfin, vous, ça vous fait plusieurs épisodes, mais j'ai fait les dealers, j'ai fait la planque, j'ai fait le colis de Gérald, j'ai fait le chrono de AO, j'ai vendu des véhicules en import-export, j'ai fait des missions de DAX, j'ai fait des courses. J'ai tout fait, le seul truc que j'ai pas fait c'est du tuning. J'ai fait du PVP. Ah ouais, faut que j'appelle la mutuelle, c'est vrai, je me suis pété ma propre moto. Ah ça fait ça pique hein, 12 000 $. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. Je vais prendre une décision les potes. Soit j'achète une voiture, soit j'achète une amélioration d'un business. Et clairement la boîte de nuit, même avec le matériel, c'est tellement long à monter. Je crois on m'a dit c'est 8 ou 10 heures de jeu pour la remplir full. En plus faudra que je paye les étages, sinon ça sert à rien. Si je prends le matériel, faut que je prenne les étages avec. Écoute moi, j'ai deux possibilités. J'ai le choix de la raison. La raison c'est investi dans des business, comme ça tu gagneras plus d'argent. Et j'ai le cœur qui me dit prends-toi la voiture que t'as flashé dessus. Et je crois que je vais écouter mon cœur, parce que dans la vie j'écoute toujours mon cœur. Donc je vais prendre la voiture que j'ai flashé. Nice. Ou sinon je fais masse de courses jusqu'à débloquer le tarif spécial de la ZR 350. Mais ça peut prendre longtemps. Ouais non, ça peut prendre trop longtemps. Je me fais ce kiff. Atelier auto. Après tout, on est dans Underground, on n'est pas dans Underground. Ouais, j'ai plus que 700 000. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'avec les 700 000, j'ai... Ah non, j'aurais pas assez parce que je vais faire du tuning. Ok. Non, j'aurais pas assez. J'ai failli dire, ouais, bah avec les 700 000, je pourrais acheter le labo d'acide. On attend qu'elle arrive. Ça tombe bien parce que j'adore hein, la LG Retro Custom. Je l'adore. Mais en plusieurs jours que je joue non-stop avec, j'ai envie de... Enfin, je m'en suis pas lassé, mais si, je m'en suis lassé un petit peu parce que je joue trop avec. Je joue qu'avec ça, quasiment. Alors que là, ouais, elle est pas ouf comme ça en blanc. J'ai envie de prendre une petite photo, les gars. Ça pèle, hein ? Alors, j'ai 734 000 pour la custom. J'ai de quoi me faire plaisir. Je vais prendre tout mon temps, les gars, pour la custom. Ça va prendre du temps. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Alors, les perfs, on met ça à fond. Turbo, à fond. Transmission, à fond. Suspension de compétition, moteur, bloc. What? Ah ouais, elle est pas bénise, mais t'as quand même plein d'options. J'avais oublié frein de course. Et j'ai encore 580 000 $ pour me faire plaisir, les gars. Mais je vais regarder les motifs. Je l'ai jamais eu celle-là, je crois. Oh, je sais pas, il y a tellement de possibilités, les gars. L'abonné que j'ai flashé dessus, il l'avait fait en verte. Je vais aller la regarder. Ça se trouve, je vais copier carrément ce qu'il a fait parce que j'ai flashé dessus, j'ai trouvé ça magnifique. Il l'a fait comment? Je vais vous dire. Il a fait une sorte de... What? Il a fait une sorte de vert nacré. Ah ouais, franchement, elle est belle ce qu'il a fait. C'est beau, c'est très beau. Et c'est... Il s'appelle comment déjà l'abonné? Nougatine. GG à toi, Nougatine. Je l'ai partagé dans l'onglet communauté, ce que t'as fait. Et franchement, ce que t'as fait, c'est très très beau, je trouve. Et en plus d'être beau, je trouve ça très touchy à faire parce que t'as mis les roues jaunes, t'as marié le vert du Sprunk avec le vert de ta... Avec un vert nacré super stylé, frérot. Franchement... C'est très rare que je vois une custom comme ça. J'ai jamais vu une voiture comme ça, clairement. Mais non, je vais pas faire la même non plus parce que elle est belle la sienne. Mais par contre, j'aimerais bien partir sur du vert, ouais, clairement. Attends, on va voir couleur principale, les caméléons déjà. Non, j'ai aucun flash sur les caméléons, les gars. Par contre, je vais peut-être prendre la couleur qu'il a fait. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un noir nacré vert lime, peut-être. Ouais, je pense que c'est un noir nacré vert lime. Ouais, ça doit être ça. Mais sur chez moi, j'ai un bon que ça rend moins bien. Et en métaux, ça donne quoi? Et en verlime, ça donne quoi? Oh non, je l'aime pas en verlime. Je pense qu'il faut que je parte sur un motif, les gars. Ça, c'est non. Ça, c'est why not. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Celui-là, il est joli, hein. Il est basique. Bon, là, on voit pas les branches du cerisier, mais... Celui-là, il est bien, mais ce que j'aime pas... J'adore les couleurs, mais ce que j'aime pas, c'est les gros lolos que tu vois et tout. Ça fait kikoujap un peu, j'aime pas trop. J'avais pas vu en plus, regarde, les gars, le papy, regarde la forme de la canne qui tient. Frérot, non, je peux pas. Robot bubblegum. Non, Rockstar, vous avez abusé là-dessus. What, j'ai des camouflages bloqués, niveau 179. C'est bête parce que celui-là, Anis Tribal, 154, il y aura sûrement plusieurs versions. Je sais pas, les gars, j'ai pas d'idée. Je n'arrive pas à me décider, alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer plusieurs couleurs. Oh, j'essaierai bien le flip vert avec le Sprunk, mais bon, ça fera référence à la caisse de l'abonné, mais je suis pas sûr que ça passe. Aïe, 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 bon, bah je prends le risque. Allez, hop. Je sais pas si ça va le faire. Ah, ça le fait pas. Ah, ça le fait pas du tout. Ah, j'ai perdu 40 000 $. Bon, ça commence bien.
Ça commence bien. Je vais tuner ce que je peux tuner déjà. On choisira la couleur après. Vitre de limousine. Phare arrière par soleil, j'aime pas. Aileron. Oh, il est beau celui-là. Aileron optionnel, il est beau de ouf. Séparateur. Moi, j'adore les trucs de gros qui coûtent tuning. Le gros séparateur, là. Bas de caisse. Il est beau celui-là. Bas de caisse custom. Celui-là, il est encore mieux. Ah non, il est étendu, j'aime pas. Près des roues, vous voyez, ça rajoute un bout. J'aime pas. J'aime bien celui-là. Bas de caisse custom. Toi. Moi, j'adore la petite prise d'air, donc je vais mettre une petite prise d'air. Nice. Plaque. Soum soum. Bon, on va partir sur du jaune sur noir, mais on peut changer. Rétroviseur. Oh, tu sais quoi, je préfère les rétro de base que les rétro tuning. Persienne, je déteste les persiennes. Oh, quoique. Quoique, d'habitude, j'aime pas les persiennes parce qu'elles sont couleur carbone, mais là, j'hésite. Je sais pas. Les gars, j'ai une idée. Ce motif-là, anis classique, avec une peinture. Alors, déjà, on va aller voir le caméléon violet. Elle est pas mal comme ça, déjà. Bon, comme ça, elle est splendide, comme ça. Elle est splendide. Perle bleue layette, frérot, regarde. On a une magnifique zone avec des changements de couleur. Mais on garde quand même une certaine constance avec les motifs violets. Je vais essayer. Alors, je note perle bleue layette ou un beau métallisé violet ou bleu ou du noir nacré violet. Attends, le bleu, on va voir ce que ça donne. Non, j'aime pas. Le violet, le problème, c'est que ça fait trop violet, frérot. C'est violet sur violet sur violet. On laisse tomber. En noir, elle est pas mal. Et si je fais un noir nacré? Nacré bleu, ouais, non. Non, mauvaise idée. Non, je pense qu'on va partir sur le caméléon. Perle bleue et layette. Oh, elle flash. Vas-y, je valide. Couleur secondaire, ça change quoi, ça? Ah, ça change les phares. Oh, nice. Ah, je peux mettre du perle prismatique. Ça peut être stylé, hein. Vas-y, perle prismatique, vas-y. Attends, éclairage, les phares. Ah, c'est dommage, je suis pas fan des phares qui se relèvent. Kit néon, obligatoire, pour qu'elle soit underground. Le néon, on peut le mettre violet. Il est assorti avec le motif. Habitacle, on fera ça après. Capot. Oh, capot transparent. Oh là là, moi je kiffe. Oh, il y en a qui vont détester. Oh, quoique. Quoique, capot ventilé trident, j'aime bien aussi. Oh non, je la kiffe comme ça, les gars. Elle est multicolore. Je la kiffe de ouf. Capot transparent. Attache capot, on met pas. Elle, arrière, couleur 1. Ça lui donne un petit peu de rebond sur le côté des échappements. Oh, les doubles pots comme ça. Échappement en biseau. Oh, je sais pas, ils sont trop stylés. Non, ceux-là, ils vont trop bien, je trouve. 11400. Découpé peint, c'est pas mal, hein. Allez, on met pare-choc arrière. Ouais, on va mettre celui-là, je pense, diffuseur arrière. Frein, on les a mis. Blindage, pas besoin. Donc il reste les roues. Ah, les roues de base, je les aime pas, les roues qu'ils ont mis. J'en ai marre des jantes de gamme, les gars. J'en ai trop mis sur mes voitures. Ruffuel profond, j'aime bien. Vas-y, je les mets. En plus, on peut choisir la couleur des jantes. Nice. Et ben, je vais partir sur des jantes. Ça fait too much, je trouve. On va partir sur des jantes noires, je pense. Ou blanc givre. Ouais, blanc givre, ça fait bien. Pneus. À l'épreuve des balles, apparence des pneus. J'aime bien le atomique, moi. Hop, fumée des pneus. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Mauve. Voilà, les roues, c'est fait. Phare arrière. Oh non, j'aime bien les phares. J'aime bien les phares de base, moi. Ce qu'on n'a pas fait maintenant, c'est tout ce qui est moteur. La plaque, ça serait peut-être mieux de mettre jaune sur bleu. Ouais, la plaque jaune sur bleu va mieux, je trouve. Les persiennes, est-ce qu'on les met? Oh, c'est encore mieux avec les persiennes. On met les persiennes. En plus, on pourra pas me tirer dessus de derrière. Nice. On repasse tous les motifs. Oh, tu sais quoi, elle est magnifique avec plein de motifs. Avec celui-là aussi, elle est stylée. Mais avec celui-là, elle est vraiment parfaite. Attends, nous, on va faire le moteur d'abord. Moteur. Bloc moteur. Ouais, nice. Motif couleur 2, turbo couleur. Oh, celui-là, on va pas y toucher, je pense. Oh, ça change pas grand chose et c'est très cher. Quoique, si, j'aime bien celui-là. Prise d'air couleur 1. Barre anti-rapprochement, celle-là, elle est bien. Réglage moteur, c'est fait. Échangeur, j'aime bien le gros anis, gros logo. Et maintenant, il nous reste 127 000 pour l'habitacle. Ça va être compliqué, hein. On va changer le volant en priorité. Le Apex Pro que j'adore. Cadran. Oh, j'aime pas les bidouilles, non, j'aime pas. Tableau de bord, course carbone, je l'aime bien. J'avais dit que j'aimais pas le carbone, mais je trouve que c'est le meilleur. Ouais, on peut garder l'effet couleur carbone poignée, panneau en carbone. Siège, je pense que mes sièges préférés, c'est... Ah, il y a un bug avec les sièges. Ça change pas, les sièges. Regarde, il y a un bug. Non, ils sont bien, les sièges de base. Volant, c'est fait. Eh ben, j'ai presque fini la question. Oh, elle est magnifique. Putain, elle est underground de ouf.
What? On va aller mettre des phares de couleur. Ouais, il est 6h du matin en plus, c'est nice. Est-ce qu'on on peut fermer les phares? Oh, ça c'est trop stylé. Regardez. Trop stylé. Ça j'adore Rockstar. Le détail qui fait toute la différence. Ouais, elle est rapide en plus. Elle est super maniable. Oh non, j'ai l'impression qu'elle dérape vite. Ah ouais, elle dérape très vite par contre. Wow. Allez, on va lui mettre des phares si possible bleu clair, mais je crois que ça n'existe pas. Elle a un super bruit. C'est une super caisse les gars, la ZR350 hein. Il faut aimer, hein. C'est multicolore, c'est... Moi j'aime bien, mais je sais qu'il y en a plein qui vont dire bah dégueulasse. Mais je m'en fous. Ce qui compte c'est qu'elle me plaise avant tout. Tu vois ce que je veux dire? Sous cet angle là elle paraît bleue. Dommage, tu peux pas mettre ce côté reflet sur les jantes. Enfin bon, c'est qu'un détail. Éclairage, phare. Et ben, ceux qui font le plus stylé, je dirais, c'est les phares au xénon. Ah non. Non, les phares bleus électriques pour 49 000. Oh, stylé, ça se referme et tout. Un petit klaxon ou quoi? Ah, j'adore celui-là. C'est Disney, ça, je crois. Bon, bah voilà. On peut même... Non, on peut pas mettre de blindage. Nice, je suis content de ma custom. Celle-là sera multicolore. Elles seront pas toutes multicolores, évidemment. Je vais pas mettre du caméléon perlé, je sais pas quoi, sur toutes les caisses. On va aller sur la piste d'essai. Allez, on travaille avec d'autres joueurs, je m'en fous. Wow, elle est stylée, elle est unique. J'en ai jamais vu des comme ça, les gars. Petite séance photo au passage. Ah, je suis passé niveau 20 au salon de l'auto. Faut trouver un bon angle de lumière. Et là, il y a de la lumière, là. Oh, j'ai envie de faire une course underground avec. Bon, je tente ou quoi? Activité... Mode d'épreuve, épreuve de course de rue, faut qu'il y ait du monde par contre parce que... Elle me fait penser à la Anis Euros que j'avais fait dans Underground 1, un peu. Big Daley a lancé l'activité, on va être que 3, c'est pas grave. J'ai envie de faire une course avec pour dire je fais une course avec. On est que 2, c'est un 1v1 les gars, c'est pas grave. Dans les courses de street, dans les Need for Speed, il y a des 1v1 les gars. Oh, je l'ai acquis de ouf, je regrette pas mon achat les gars. J'ai perdu mes 2 300 000 là-dedans, mais je regrette pas. Je la vendrai pas celle-là. Wow, en termes de perf, par contre, on n'y est pas du tout. Ouais, j'ai pris le raccourci, j'aurais pas dû. Ah ouais, le raccourci sont éclataxes, quoi. What? Mais en termes de perf, les gars, je me fais dominer, c'est un truc de ouf. Oh non, je suis déçu. Oh non, si j'ai aucune chance de rivaliser avec les autres voitures, les gars... Ouais, j'ai aucune chance, frérot. Bah, tu sais quoi, je quitte la course, je m'en bats les couilles. Ça sera une voiture pour le mode libre. Rien à foutre. Non, mais vous avez vu, j'ai pris un départ turbo. Et en espace de 2 secondes, le mec, il m'avait déjà mis 20 mètres. Je sais pas ce qu'il avait comme caisse, mais c'est abusé, quoi, une différence comme ça. Alors, peut-être que la sienne, elle était rabaissée. Mais c'est quasiment impossible de... Enfin, si, c'est possible. Peut-être qu'elle était rabaissée, la sienne, c'est peut-être pour ça. Ah ouais, moi j'ai acheté sur un coup de foudre esthétique. Je l'ai pas acheté sur des performances de course, sinon j'aurais acheté la Calico. Mais vas-y, fuck it, les courses, ça rapporte que dalle. Si c'est ça, je ferais pas de course dans Tsum Tsum Underground 2, et puis c'est pas grave, quoi. Ah, j'ai 50 000 dans la boîte. Oh bah vas-y, on peut laisser tourner, hein. On n'a pas d'argent de toute façon. On va aller faire un petit tour en ville, les gars, je vais kiffer. Ouah, non, elle est magnifique. Elle est collector. Un peu lente. C'est la deuxième Anis que j'ai. Les gars, j'ai 2 voitures, 2 Anis. Je vais essayer de pas l'abîmer par contre. Oh, on va se refaire vite de toute façon. On se fait 200 000 avec les dealers par jour. Ah non, on va pas se refaire vite. Franchement, les 2 millions 3 là, ça pique. Mais de toute façon, tu voulais que j'achète quoi comme business? Tu voulais que j'achète quoi? J'aurais acheté quoi? La salle d'arcade? Tout ça pour avoir une console? Pour éviter de faire 2 allers-retours de 3 minutes pour checker mes clubs de motards? Qu'est-ce que je pouvais acheter d'autre? Ah ouais, non, j'aurais pu améliorer la boîte de nuit. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu améliorer la boîte. Ici, je sais qu'il y a des spots pas mal pour faire des photos. Ouais, on peut venir en voiture ici. Ah nice, je savais même pas qu'on pouvait venir. Petite promenade tranquille. Non, m'abîme pas la caisse. Ouais, mais t'es morte, je m'en fous. Moi, c'est ma caisse que je veux. Je suis partagé entre... Oh, quand elle est bleue comme ça. Magnifique. Oh, ici, tu peux faire une belle séance photo. Les gars, dans les séances photo, faut souvent, c'est un peu chiant, mais faut faire attention. Faut faire attention à la lumière.
que. Voilà, faut que le soleil. Oh là 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 là. Elle est sublime. Tu sais quoi, je vais même sortir, je vais prendre une photo, je vais le rajouter dans mon album. Là, là, tu vois, là, l'angle. Voilà, l'angle est mieux ici. Pourquoi elle me paraît sale un peu? Regardez, il y a des traces là. Ah, ça m'embête les traces. J'ai roulé dans la terre, non? On va aller au car wash, hein, je m'en bats les steaks. Hein. Tant pis, je fais pas de photos avec des traces, moi. T'es un fou. Et ben voilà, c'est ma deuxième voiture underground. Oh, point bleu. Qu'est-ce que c'est? Fourgon de prison, je l'ai jamais eu. Je l'attaque, hein. Wouah, il m'a niqué la caisse. Cet enfoirax. Mais vas-y, fais un effort. Mais ils sont blindés, leurs vitres, ou quoi? Les gars, je suis en... Ah, le pare-brise devant, il est blindé. Mais vas-y, je vais t'avoir, toi. Oh, c'est chaud, faut viser la fenêtre sur le côté. Mais en plus, il s'arrête pas, c'est pas réaliste, frérot. Oh, quoique, si tu te fais tirer dessus, tu t'arrêtes pas. Mais c'est la précision de... Oh là là. Bon, tu sais quoi? Tu me fais chier. Voilà, tu m'as fait chier, Rockstar. Ils sont tous morts. Je suis dégoûté, okay, elle est toute pétée, quoi. Non, elle est vraiment bien, la caisse. Mais bon, en termes de perf, c'est pas fait pour les courses, quoi. Ce qui, ma foi, est bien dommage. Vas-y, là, elle est cassée. Voilà. On se met comme ça. Est-ce qu'il y a encore les traces? Non, là, il n'y a plus de traces, frérot. On va quand même la pouponner. Et là, si je roule dans la terre, est-ce qu'il y a des traces? Non, ça va. On va quand même aller la nettoyer pour le style. Le volant est un peu gros, par contre, je trouve. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Elle m'aura coûté du pognon. Elle m'aura coûté du pognon, celle-là, quand même. Pouh, m'a pas tiré dessus, Zedny, j'espère. Ça va pas bien se passer, hein. Ah, nouveau client, nice, on a besoin d'argent. 15$, je paye, car wash. Wouah. Trop stylé. Oh, les gars. Vous le faites pas souvent, ça, hein. Oh là là, la mousse et tout. Ça sert à rien, ça te la met propre, mais ça te permet d'avoir des beaux angles de caméra avec. Wouah, c'est beau. Le séchage, waouh, magnifique. J'ai ma vignette. Ma vignette, elle est là, quoi. Waouh, la vignette. Oh, nice. Dommage qu'il y a un peu d'ombre sur le phare. Elle est pas mal, ta caisse, mais c'est une calico, mais il faudrait que tu la répares un peu. Je sais pas comment tu fais pour... Il va me sortir de la voiture, non? Non, c'est bon. Je sais pas comment il fait pour rouler avec une caisse défoncée, hein. Bon bah les gars, je sais pas quoi faire, j'ai tout fait. Sors de ma caisse, frérot. Sors de ma caisse, j'ai envie d'être solo là. Ah ouais, je suis tombé sur un pot de colle. Sors de ma caisse, je t'ai dit. Ma caisse, elle est toute belle, je vais pas... Lui, il était en tenue toute crasseuse là. Qu'est-ce qu'il va mettre ses pieds dégueulasses dans ma caisse? Ça va, je l'ai gentiment trollé, je l'ai pas tué, je l'ai pas... Voilà. Oh, le gun van. Ah, il est en ville. Ah oui, il y en a plusieurs, c'est vrai. Bon, bah, les gars, un retour à 0$. Ah, bah, je sais pas quoi faire, mais je me sens bien, tu vois, je me promène. Elle a l'air d'être pas mal pour drifter. On va regarder les tarifs du gun van. Up on atomizer. Oh, il est moins cher au gun van. Ah, c'est intéressant, le gun van, c'est moins cher. Je prends des bombes collantes. Oh non. Ah, il a réparé sa caisse. Il va me buter. Ah, il a réparé sa caisse, je le respecte. Vas-y, viens, on fait une photo, là. C'est beau, ça. Oh, nos couleurs qui se mélangent. Il va me défoncer la caisse. Non, ça va. Ah non, un joueur propre. Ah non, remonte pas avec moi, frérot. What?
Monquette des Lacris. Comment le mec avait prévu de sortir son R? Oh, il a pété deux voitures d'un coup, ça a dû lui coûter 30 ou 40 000 en mutuelle. Attends, je vais voir combien il a payé. Oh, ça me dit pas combien il a payé, bon tant pis. Bon voilà, on était chill en micro rassemblement tuning et on nous a pété notre délire. C'est pas grave. Il m'a reconnu lui. Ah, il m'a reconnu. Ok, ok, on s'appelle frérot. Non, je disais qu'il était en tenue dégueulasse, mais elle est stylée sa tenue, j'aime bien. Nice, hein. Bon, c'est mon quai des Lacris qui nous a pété la gueule, je vais aller le voir, vite fait. Et après, je vais aller boire un verre au vanilla, les potes. Viens, on va se le faire, viens. C'est l'orange. Il est orange sur le radar. Ah, il a eu la même idée que moi. Mort de rire. Nice. Oh, il a eu la même idée, mort de rire. Il a tout de suite compris que j'allais, qu'on allait se venger, quoi. Vas-y, il vise mieux que moi, j'ai l'impression. Oh, il l'a eu. Oh, mon quête des Lacris, t'es un déchet, toi aussi, ma parole. Bon, bah voilà, les gars. Je suis content, cet épisode était vraiment rafraîchissant. Je vais aller boire un verre au vanilla, et surtout, n'oubliez pas, hein. On s'appelle, hein. La bise.